Bonjour, espèce de Julien. Bonjour. Vous êtes un réparateur sur Paris, région parisienne, de trottinettes électriques et tout ce qu'il y a en moteur. Effectivement, je suis auto-entrepreneur depuis une petite année. Alors, spécialisé sur Ninebot et surtout donc M365 et S2. Donc, je fais des réparations sur Paris Île-de-France. Donc, je connais bien le produit et je fais beaucoup de réparations. Et vous êtes un membre bien actif de l'Underground européen lié à cette trottinette aussi. Alors, effectivement, il y a beaucoup de passionnés en Europe pour cette trottinette, beaucoup en Espagne, beaucoup en Italie, en Allemagne, beaucoup en Russie. Donc, effectivement, je suis en contact avec à peu près tous les développeurs qui créent des nouvelles choses pour cette trottinette-là. Et justement, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a oui, effectivement. Une surprise. Hein. Et aujourd'hui, on a une grosse surprise. On a une évolution du custom firmware que tout le monde connaît hein, via le site Botox. D'ailleurs, David, si tu nous regardes. Donc effectivement, on a un nouveau firmware à vous proposer qui est vraiment exclusif. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Et je pense aussi que vous avez d'autres nouveautés. Hein, ou... Alors effectivement, il y a pas mal de nouveautés qui vont pas tarder à débarquer. Alors on a en première chose, on a les pneus 10 pouces qui vont arriver. Donc c'est des pneus qui font donc effectivement 10 pouces. Donc quelques petits ajustements, ils se posent assez facilement sur la M365. Ah oui, donc ça va aider pas mal de monde qui oui, a l'air à c'est très facile. Remonter leur pneu. C'est très facile à poser. Alors moi j'avais fait une petite vidéo à l'époque pour remonter un pneu, une petite vidéo de 20 secondes, c'est pas très compliqué. Hein. Alors vous allez sûrement la voir ici, mais là avec effectivement les pneus 10 pouces, on gagne en vitesse, on a un meilleur confort puisque les pneus 10 pouces vont absorber un peu les chocs de la route. Donc ça, c'est pour bientôt, parce que ces pneus 10 pouces sont très spéciaux, on n'arrive pas à les trouver facilement. Donc là, on est en train d'organiser ça pour pouvoir en avoir facilement. Ensuite, en termes d'évolution, on a les batteries 12S qui permettent de monter la batterie au lieu de 42 volts à 50 volts. Donc, pour le commun des mortels, on va dire, ça change. Alors pour le commun des mortels, c'est une batterie qui a plus d'intensité. Et de, oui, mais et de tension. On gagne quoi avec l'intensité et la tension? Alors, quand le problème avec la batterie d'origine, c'est que c'est une batterie 42 volts, donc en fait la courbe de décharge tombe assez rapidement, donc on perd en vitesse quand on a un custom firmware. C'est-à-dire que quand on volait à 30 km/h, eh ben, on est à 30 km/h que au début de la batterie, quand la batterie est pleine. Après, la vitesse s'effondre un peu. Et avec la 12S, va gagner en vitesse alors. Alors avec la 12S, on peut effectivement, comme on n'est plus à 42 volts mais à 50 volts, on peut monter jusqu'à 35 km/h. Ah oui, donc oui, voilà. C'est pas mal. Donc il y a une bonne évolution. Et aussi d'autonomie, puisque la batterie 12S, on peut faire à peu près 45 km d'autonomie, jusqu'à 45 km d'autonomie. C'est même un scooter ça. C'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, on a donc ces choses-là qui ne devraient pas tarder à arriver un petit peu chez tout le monde. Et on a aussi la dernière chose qui est vraiment pas mal, c'est un nouvel écran LCD qui est en cours de développement, donc, dont je m'occupe pour la version française. Donc, ça permet d'avoir un GPS, ça permet d'avoir un écran et puis d'avoir un compteur. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, ça va arriver très, très bientôt. Donc, on va dire, vous avez intégré les meilleures options pour la M365 que la Xiaomi n'a pas fait. Non, effectivement. Dans la prochaine Xiaomi, qui s'appelle la M365 Pro, ils ont rajouté effectivement un écran. Ils ont rajouté une batterie plus grosse. Bon, c'est toujours une batterie en 42 volts, mais on a déjà ces évolutions-là maintenant avant qu'on nous reconnaisse. Donc, Xiaomi, vous avez copié? Ah, je dirais, non, on n'ira pas dire jusque-là. D'ailleurs, bon, moi je suis à la base de rien du tout. Hein. Pour la 12S, c'est un développement via Botox. D'ailleurs, tous les plans sont disponibles sont disponibles dès maintenant, donc vous pouvez même fabriquer votre propre batterie tout de suite. D'accord, et je crois que Botox, c'est celui qui nous a permis de modifier les formes. À Botox, c'est effectivement, alors, pour un petit peu d'histoire, au début, c'est les Russes qui ont créé un custom firmware, les Espagnols ont leaké ce custom firmware-là, et ensuite Botox, donc David, a fait un site internet avec une customisation. D'ailleurs, vous avez le même site internet sur mon site en français. D'accord.
Et à partir de votre site, on peut avoir de nouveaux firmware. Alors, pas pour l'instant encore. Pour l'instant, ce nouveau firmware est en cours de développement. Donc, pour l'instant, pour parler de ce firmware-là en question, qui va être disponible à cette vidéo-là, c'est le même firmware que Botox, sauf qu'il y a des améliorations en plus. Amélioration de la courbe de freinage, amélioration de la courbe d'accélération, amélioration de l'algorithme russe. Donc ça, c'est les trois nouveautés dans ce firmware que vous allez pouvoir télécharger en bas de cette vidéo. Et l'algorithme russe, il fait quoi? Alors l'algorithme russe, lui, va changer comment on peut expliquer ça en simplement? On va dire qu'il change la gestion de la manette au lieu de gérer la vitesse. Il va gérer la puissance du moteur, exactement. Donc pas la peine de pousser. Pas la peine de pousser à fond. Il faut pousser vraiment en régulant. C'est vraiment la puissance qu'on envoie au moteur. D'accord. Voilà. Merci Julien. Ben, de rien, avec plaisir. Et SPZ surtout de toutes ces nouveautés. Ben de rien, et j'espère que je vais trouver un peu plus de temps pour faire plein de vidéos, parce que j'ai plein de choses à raconter, comment réparer votre trottinette, comment réparer la batterie, comment faire plein de choses. Malheureusement, j'ai pas eu le temps encore d'en faire des vidéos, parce que je suis assez débordé et assez occupé. Donc, mais j'espère que par l'avenir, je pourrai vous faire de belles vidéos. De rien, avec plaisir. Alors, le dernier message, ça sera surtout pour remercier toute la communauté européenne. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais Camille Lifa, Botox, les Russes, les teams espagnols. Merci à vous. Grâce à vous, on a pu bien faire évoluer cette trottinette. À bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Merci, SPZ.